J'ai plusieurs vies en fait, toi. Il y a le vendeur de livres, il y a l'ancien guide. Alors si tu veux, je peux te parler séquence nostalgie de mon métier de guide. Non, c'est une autre vie, j'ai oublié. Et il y a ma nouvelle vie d'ornithologue, passionné. Ah oui, c'est de ça qu'il faut parler, le reste c'est du passé. Ah, donc c'est quoi la nouvelle vie à Pierre Tardinet alors? Bah maintenant je marche, je vais toujours en montagne, mais avec un gros sac à dos, avec des objectifs, des boîtiers, et puis je m'approche au plus près des oiseaux, des mammifères, et voilà. Je vais voir les animaux que j'ai pas pu voir pendant 30 ans de montagne. Parce qu'on allait trop vite, on s'arrêtait jamais, on voyait jamais rien. Voilà. Maintenant les animaux, je les vois de près et je découvre des trucs que j'avais jamais vus. Et ça fait combien de temps que tu fais ça alors maintenant? Oh, ça fait 2 ans que je suis à fond là-dedans, mais ça fait 30 ans que j'en parle et que j'en rêve. Voilà. Et alors tu procèdes comment? Ben, faut connaître les coins, et ça c'est pas facile, donc faut se rapprocher des gens qui sont spécialistes. Au bout d'un certain temps, ils t'indiquent les bons plans, et puis de toute façon, les bons plans, tu les découvres petit à petit toi-même. Hein. En te baladant dans la montagne, tu vois des animaux, ben, t'essayes de voir où ils vont, t'essayes de comprendre comment ils vivent, et tu t'approches d'eux quand tu peux. Et tes belles rencontres de cet hiver alors? Ah ben, j'ai vu des aigles de près, des gypaètes de près, des cerfs, les classiques, hein, des chevreuils, les loups, faut pas le dire, puis les petits piafs. Moi, je suis quand même très, très passereau. Et... Puis je m'investis aussi beaucoup dans les assos. Il y a l'Aster, la LPO. Donc, il faut donner un peu de sa personne pour aller ramasser les crapauds, pour couper les herbes dans les marais. Il y a plein de choses formidables et utiles à faire dans les associations. Il n'y a pas que la photo, et aussi être utile. Et ton travail, on peut le voir où? Ah, mes photos d'amateur, bah, sur Facebook, mais c'est très amateur pour le moment. Et tu travailles quel matériel photo alors? Ouais, j'ai du matos de touriste, moi. Il y a 30 ans, j'ai pris des boîtiers Minolta et mes objectifs, bah, j'ai jamais voulu les changer. Et maintenant, je suis bien emmerdé. Alors, je continue avec Sony, mais ça coûte. Je regrette de ne pas avoir du Canon ou du Nikon. Donc je m'emmerde à trouver des trucs qui coûtent plus cher finalement. Puis je rêve d'avoir des gros téléobjectifs de pro, là, des 600 ou des 800 pour faire des belles photos en gros plan. Et tu me disais que tu partais en montagne, t'es lourd alors du coup? Ah ouais, je suis lourd, bâton, les gros tubes ils font 5 kg. Matos photo c'est des fois jusqu'à 10 kg parce que le pied fait 3 kg. Puis tu veux plusieurs objectifs, plusieurs boîtiers. Et puis si tu veux dormir en montagne, alors il faut la tente d'affût. Le sac de couchage, le matelas, et ça fait mal, quoi. Tu es dans quel secteur, plutôt, toi? Oh, je voyage pas beaucoup, moi. Dans les Préalpes, on a tout ce qu'il faut. Quoique, il y a des aigles à chat, mais... De temps en temps, je viens pour voir où ils sont. C'est pas facile. Mais dans les Aravis, je suis souvent Chablais, un peu. Et le loup, alors? Le loup, t'en as vu ou pas? Non, j'arrive pas. C'est trop dur. Il y en a partout, mais on les voit pas. Pour les voir, faut mettre des pièges photos. C'est pas... Ça marche pas. Ça compte pas. On peut dire qu'on l'a vu en vrai. Les pièges photos, c'est pas bon.